Invité de Soir 3, le capitaine Thomas Sankara, président du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta. Il est à Paris pour participer à la conférence internationale sur la forêt et le bois, un vrai problème dans son pays, victime de l'extension du désert. Il répond à Richard Tripot. Oui, Monsieur le Président, bonsoir. Vous êtes donc à Paris pour participer à cette conférence. Nous allons y revenir. Mais tout d'abord, je voudrais vous poser la question de savoir quelle est votre réaction face à ce terrorisme en France, mais d'une façon générale en Europe. Eh bien, en tant qu'homme, je ne peux que m'émouvoir devant ces attentats qui créent tant et tant de désolation chez des êtres humains. En tant qu'Africain, je ne peux que m'étonner que la France et l'Europe, si imprégnées et si prétendantes de civilisation, posent et commettent et connaissent des actes qui sont réputés être ceux des sauvages d'Afrique. Oui, en tant que révolutionnaire, oui. Je regrette que des hommes n'aient à s'exprimer ou n'aient été condamnés de s'exprimer que de cette façon. Monsieur le Président, on connaît votre amitié pour le colonel Kadhafi. Cette amitié ne vous gêne-t-elle pas dans la mesure où le colonel Kadhafi a qualifié les attentats de Rome et de Vienne d'actions héroïques? Ça vous semble correct? Mais il a changé de position quelques temps après. Bien, merci. Nous allons parler d'autre chose. Vous avez rencontré le président Mitterrand hier, je crois. Alors, ses relations avec la France s'améliorent, les relations du Burkina Faso et de la France? Écoutez, je regrette que les relations entre le Burkina Faso et la France se posent, soient perçues de façon contentieuse. Nous avons des relations qui sont parfois difficiles, chacun estimant de son côté qu'il est insatisfait. Il convenait de discuter avec les autorités françaises, d'en rechercher les causes et de proposer des solutions. Je pense que ce contact a été positif. Mais vous n'avez pas l'impression que quelquefois vous êtes mal entendu à Paris dans la mesure où vous souhaitez de l'aide, bien sûr, mais quelquefois aussi d'une façon un peu difficile, car vous n'hésitez pas à qualifier la France d'impérialiste parfois. Mais c'est à ce prix aussi que l'on se construit. Nous ne pouvons pas attendre de l'aide de façon inconditionnelle, d'où que cela puisse venir. Et le minimum d'indépendance de pensée, indépendance d'action, indépendance politique, se réalise par le devoir de dire aussi ce que nous pensons, de l'aide d'où qu'elle vienne. Et vous pensez que ces relations vont s'améliorer encore dans les mois à venir? Je crois que... Vous avez reçu des assurances? Je crois que nous pouvons nous comprendre davantage et il reste encore bien des points d'insatisfaction sur lesquels il faudra que de part et d'autre, Burkinabés et Français, nous travaillions. Alors, Monsieur le Président, nous allons venir sur le problème de la forêt pour lequel vous êtes à Paris essentiellement. Vous avez hier déclaré que vous souhaiteriez que 1% des recherches spatiales soient consacrées à la lutte contre la dégradation des forêts. Alors, d'où vient ce chiffre 1%? Ça vous paraît suffisant? Comment vous avez évalué ça? Pas de là le chiffre lui-même, ce que nous visons, c'est imposer la prise de conscience devant un problème, un fléau aussi grave que la désertification. On va voir quelques images du Burkina Faso, de votre pays, essentiellement. Oui. Pour ce fléau, nous estimons que la responsabilité n'incombe pas seulement à ces hommes et à ces femmes qui vivent au Burkina Faso, mais également à tous ceux qui, loin de chez nous, provoquent de façon directe ou indirecte des perturbations climatiques, écologiques. Qui peut démontrer aujourd'hui que les engins que l'on envoie dans l'espace ne dérangent pas, ne perturbent pas cet équilibre-là? Vous avez dit qu'effectivement, la lutte contre la désertification est anti-impérialiste. Oui, la lutte contre la désertification est un combat anti-impérialiste dans la mesure où nous savons que pour l'impérialisme, l'exploitation des hommes est un acte tout à fait normal, a fortiori l'exploitation des forêts. De quelque façon que ce soit, directement ou indirectement. Capitaine Sankara, ça sera ma dernière question. Et d'ailleurs, avec Geneviève Guichenet, tout à l'heure, on se posait bien la question. Pourquoi le Burkina Faso? Pourquoi avoir voulu changer le nom de la Haute-Volta? Oui, parce que Haute-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. Et c'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire Patrie des hommes honnêtes. Merci, Président. Merci.